Voilà, ouverture des récompenses. Allez, voilà, Sébastien, à toi, remise des récompenses, Avenir 1. Allez, chez les Avenir 1, donc la première féminine, il s'agit de, en poussin, donc de Zia Marcy. On applaudit bien fort. Du team Nogent Triathlon. Allez, on enchaîne avec la deuxième, Lisa Drujon. Une athlète non licenciée. Allez, Lisa, si tu es dans les parages, n'hésite pas à nous rejoindre sur le podium. Lisa Drujon pour Avenir 1. Lisa Drujon est-elle présente? Et puis la troisième, il s'agit de Cassandre Rollet. Oh, allez, vous pouvez rentrer dans la zone. De l'Espérance, le triathlon. Allez, rentrez dans la zone. Vous pouvez rentrer dans la zone pour prendre des photos. Profitez-en. On va à présent appeler la quatrième, Daphné Vildané. Daphné Vildané, quatrième. Allez, si Lisa Drujon et Daphné Vildané sont dans le secteur, n'hésite pas à nous rejoindre sur le podium. Et enfin, il est trop grand. Faut la mettre, là, faut la mettre plus haut. Anaë Delray. Voilà, maman Vildané qui se prépare, voilà. Il y a la casquette. Ça court. Allez, Daphné. Allez, Daphné, on applaudit, bravo. Quatrième, Daphné. Elisa, nous pour la deuxième place. Elisa, Lisa Drujon. Tu te laisses, Elisa, bravo. Voilà le podium des charmantes demoiselles, vous pouvez l'applaudir très fort. Profitez de prendre des photos, allez-y, profitez-en. Nos championnes pour cette 16e édition. Allez, tu veux te mettre là-bas? Allez, la petite photo. Les photos sont terminées, les parents. Vous avez tout pris, c'est bon. Merci beaucoup, mesdemoiselles. Rendez-vous à l'année prochaine maintenant. Merci beaucoup, on les applaudit. Et place les garçons maintenant. Bravo les filles. Place les garçons. Et le vainqueur de la course chez les Avenir 1, il s'agit de Eugène Collard, du 3G Triathlon. Bravo. On enchaîne avec le deuxième qui nous vient de Langres. Il s'agit de Arthur Collier. Allez, on l'applaudit, les champions. Et le troisième, encore plus loin, de l'ASPTT Mulhouse, Loris Cacquillou. Allez, on l'applaudit bien fort, Loris Cacquillou qui arrive pour la troisième marche du podium. Et enfin, le quatrième, il s'agit de Alexandre Devienne, de l'IM1. Allez, Alexandre, tu peux nous rejoindre. Alexandre Devienne, de l'IM1. Allez, profitez-en, prenez les photos. C'est bon, les photos sont terminées. Tout le monde est mis dans la boîte. C'est bon. Allez, on les applaudit une dernière fois et on vous remercie de votre participation. Merci messieurs. On enchaîne à présent avec les Avenir 2. Ah
Ah, autant pour moi. Alors avant les Amir 2, on était avec les poussins et on va passer aux pupilles. Et on va appeler les trois premiers de chaque catégorie. Donc la première pupille s'appelle Eva Legrand Duquesne. Et elle vient de Lyon. De Lyon. Puisque le triathlon c'est une affaire de famille, la deuxième pupille, il s'agit de Florine Cacchiou. Et elle nous vient d'où? Et elle nous vient de Mulhouse. De Mulhouse. Et enfin, la troisième, c'est une locale. Il s'agit de Zia Tisserand de l'Espérance Nogent-Triathlon. Espérance Nogent-Triathlon qui a placé des jeunes sur les podiums dans cet avenir. Allez, les photos, on les applaudit bien fort. Avec leur plus beau sourire. Ça y est les parents, tout le monde est mis dans la boîte, on peut y aller. Merci beaucoup mesdemoiselles. Et on enchaîne avec les pupilles masculins. Et le premier vient également de Nogent Triathlon. Il s'agit de Mao Marcy. Mao qui a dominé la course de la tête aux pieds. Le deuxième, il est du Stade de Reims, Jules Cardon. On a bien les voir. Mais bon, tout le monde est moins fort que nous. Hein. Et enfin, le dernier, il vient de Épernay et il s'agit de Antonin Cabot. Épernay, bien en nombre aussi, Épernay. Ça fait beaucoup de jeunes aujourd'hui sur ces trois triathlons. Podium à venir, pupille 2022, avec un sourire radieux, profitez des photos. C'est bon messieurs, dames, tout le monde est mis dans la boîte, on peut y aller. Allez, on... bravo messieurs. Passe au Amir 2, Stéphane. Et la première, elle vient de loin, elle vient de Belgique. Il s'agit de Lia Després. La famille de la le shark de triathlon. Number one aujourd'hui. La deuxième, il s'agit de Louise Prieur. Qui nous vient d'Épernay. Louise qui nous vient d'Épernay. Et enfin la troisième, il s'agit de Émilie Clément. Émilie Clément qui vient d'où Sébastien? De Belgique également. De Belgique également. Les amis belges en force sur le podium. J'espère qu'ils seront là demain aussi nos amis belges. Voilà le podium à venir de côté féminin. C'est bon, les photos terminées. Merci beaucoup, mesdames. Et place aux garçons. Donc le premier garçon, il vient de Liévin. Il s'agit de Camille Lavaux. La Camille qui avait dominé la tête en natation, enfin qui avait pris la tête en natation et qui l'a conservée jusqu'au bout. Bravo, jeune homme. Le deuxième, il est du 3 gymnites triathlon, il s'agit de Timéo Champenois. Et pour compléter ce podium, le troisième vient aussi de 3 gymnites triathlon, il s'agit de Antoine. Ouais, 3 gymnites triathlon. Voilà le podium de l'avenir 2. Vous pouvez les applaudir bien entendu. Ouais.
C'est bon, tout le monde est mis dans la petite boîte. Et à présent, allez, merci beaucoup, messieurs. Place aux Avenir 3. Allez, laissez descendre du podium. Et on enchaîne avec la première féminine. Il s'agit de Elsa Vanek qui vient de Sainte-Geneviève. Allez, on l'applaudit. Première féminine de l'Avenir 3, Sainte-Geneviève. La deuxième féminine, elle vient d'Épernay. Il s'agit de Théa Jaguer. Épernay, venu en nombre aujourd'hui. Et enfin, nos amis belges, toujours présents. La troisième, il s'agit de Isaline Després. Isaline perpétue la tradition familiale du triathlon, parce que le papa était un très grand athlète qualifié à Hawaï, donc félicitations à elle. Le podium, l'Avenir 3 féminin devant vous, vous pouvez les applaudir bien fort, faites les photos, profitez-en. Tout le monde est mis dans la boîte. Merci beaucoup mesdemoiselles. Et on va terminer avec l'Avenir 3 côté garçon, Sébastien. Allez, l'Avenir 3 côté garçon, le premier, il a fait une remontée fantastique en course à pied. Il s'agit de Romain Bénard. Romain a fait une très grosse course à pied. Hein, parce que, il était allé rechercher notre ami belge qui avait quand même une certaine avance sur le en vélo. Bravo à lui. Le deuxième, il est belge, Martin Vanerck. Ouais, notre ami belge qui a dominé cette course jusqu'à la partie pédestre et qui s'est un petit peu effondré après vers la fin. Bravo, bravo, bravo jeune homme. Et enfin, le troisième, il s'agit de Naël Blanc. Il est plus fort que le papa. Ah, ça c'est sûr. Ah. Surtout plus affûté. Il est beaucoup plus affûté que le papa. Voilà le podium de l'Avenir 3. Vous pouvez les applaudir bien fort. On a encore une petite photo. Merci beaucoup. Merci à vous. Écoutez, je vous propose que nous fassions une petite pause. Le temps d'aller manger, nous ravitailler un petit peu. On se retrouve dans une demi-heure pour... la partie sprint du triathlon.